Oh l'enfoiré. Ça y est, t'es content, t'as ton bleu. C'est bon, t'es content, t'as eu le... Oh putain. Ils sont là, ils sont de retour. Oh, qu'est-ce qu'il lance, comment? Salut YouTube, on est parti pour rejouer Garen Jungle, un pick que j'apprécie fortement. Un pick sous-côté d'ailleurs, parce qu'il a une très belle vitesse de clear, il a d'excellents dégâts, et le stuff qu'on va faire, vous allez voir, il est assez sympathique pour one-shot vos adversaires. Bref, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, et on est bien évidemment en live sur YouTube, tous les jours à partir de 9h du matin, sauf le dimanche, n'hésite pas à passer le lien dans la description. Oh le chat, ça y est, il gratte. Je veux pas jouer, c'est pas l'heure. Moi je vais clear au début, c'est pas non plus le meilleur ganker du jeu. Les gars, selon vous, Macron, il serait main quoi? Ah mais le chat par un coup. Lâche ça. Pour moi, il main Kimo, frérot. Il envoie deux autos et après, il reste immobile et il devient furtif. Et après, il a le gain d'attack speed parce que quand il se dévoile et qu'il apparaît aux journaux, il nous sort un discours de zinzin, full attack speed, et après, il refufule après. Et vous allez voir, hein, le clear est loin d'être dégueulasse. Je joue contre Nasus, bon, le 1v, normalement, ça va, je le maîtrise. Surtout que j'ai rush physique. Tuer des unités octroie définitivement dans l'armure, est-ce que je le prends maintenant ou après? Moi je le prends après en vrai. On va maximiser le clear jungle. On s'en fout de l'armure ici. Et vous allez voir en late game les dégâts que j'ai avec le E en jungle, vous allez serrer. Nasus est là-bas. Il a 16 CS, donc il lui manque des camps. Je dirais qu'il lui manque le Gromp encore. S'il arrive à toucher le Z, elle est morte la Luke. Elle est morte. Merde, j'ai Z trop tard. Du coup, le CC, il était trop long. Putain, mais en vrai, avec Tiamat, le clear, il est incroyable, non? Parce que là, pour faire les grubs, c'est trop simple. Les gars, je suis vraiment au premier degré. Je pense honnêtement que Garen n'est pas un mauvais jungler. Regarde, regarde les grubs. Okay. On peut le jouer, hein. Il y a la TP du dire. Ah, il a pas son 6 le Skarner. Allez Udyr, régale-toi. Voilà, casse-le en deux. Casse-la cette chèvre. Voilà. Du coup j'ai quoi? J'ai deux grubs. Allez. En fait, ce qui est très fort avec Garen Jungle, je vous explique. Le passif de Garen, quand t'es hors combat après 8 secondes, tu régènes des HP. Par contre, quand tu te fais attaquer, tu perds ce passif. Sauf que ce passif ne s'enlève pas quand t'es en jungle. Du coup, ça veut dire que... Regarde, tu vois les HP là, les plus 22 et compagnie? Ben en gros, c'est mon passif qui proc constamment en jungle. Du coup, j'ai une meilleure régène que tous les junglers du jeu, genre. Et c'est ça qui est trop fort. Plus 22 c'est mon jungle, ouais bah dans tous les cas t'as compris quoi. PAF. Dans tous les cas j'ai de la régène quoi. Bref, c'est rigolo Garen en vrai. Les runes tu veux les voir, c'est ça, regarde. C'est en bas à gauche. Ouais, j'ai pas de CC ni de dash, mais j'ai un silence, beaucoup de mobilité, j'ai rush physique qui me permet de me repositionner. Si jamais je me fais invade, si je mets mon combo sur le mec, je chope rush physique et je m'échappe. Tu vois, en fait, ok, il a des problématiques le champion, mais... Faut se rappeler quand même que Garen c'est beaucoup de dégâts bruts, c'est un bon clear jungle, c'est de l'autonomie, il perd pas beaucoup d'HP. Il a un anti-CC avec le Z, il gagne beaucoup de ténacité quoi. Il a un silence frérot, pour les gangs c'est très fort. Mais heureusement que le perso il a des défauts quoi, sinon bah ouais il serait trop fort quoi. Là j'essaie vraiment de jouer le farming, vous allez voir qu'à partir d'un stade j'aurai tellement d'items, je vais être intuable. S'il touche le bump, elle est morte. Ah d'accord. Ah. Oh 14 HP. Non. Oh. J'ai le démon. Elle avait la barrière en plus. Regarde, hop, tu invades le Nasus. Un E, y'a plus rien. Hop, les petits grubs. Non mais en vrai, regarde le truc. Oh là, ça va prendre là. Ça va prendre. C'est à moi. Pif, pif, pif. Pif. Comment ça? Il m'a KS. Pif. Tiamat.
Et on va une veille. Tu sais, j'avais oublié que tu gagnais toi de l'AMS avec le Strine. Regardez, je mets 1500 de dégâts sur le E. Ok. 10 secondes. Elle en a tellement marre là, la Yumi. Est-ce que c'est de l'overkill? Oui. Est-ce que j'ai pris du plaisir? Oui. Mec, c'est... Le finisher, tu prends des dégâts IRL quand tu te le prends, genre. Ok, les gars, ça va tartiner. Il peut rien faire. Il peut rien faire, genre. Il a essayé de E pour se casser, mais je l'ai silence. En vrai, attends. En vrai. Non! Le jugement! Non mais no joke, vous trouvez ça faible Garen Jungle? Tu sais que no joke, il y a beaucoup de junglers qui sont sous-côté, genre mort de Kaiser Jungle, Darius. Non mais regarde la MS que j'ai. Oula, je suis mort. Je suis mort, j'ai plus de droit choisi que là. Je me suis vu trop beau là. Je mets du 2537 les gars sur le E là. Ok, c'est l'heure. C'est l'heure, la Teams. Ish ! Attendez que j'achète mon manavouri là. La toupie. Regarde le cul. Oh ! Oh ! Pas beau ça, T-Bob! Je vais voler. Tiens, mais excusez-moi. 15 secondes, les gars, je cherche une cible, je vous le dis. Il y a eu trop de shield là, comment ça? La mission a été un échec. Ouais, il me faut ma navori là. L'ultime c'est combien? C'est 92 secondes, en vrai ça va. Presque à 10 CS minutes. Ouais, avec un Navori, c'est un autre débat après. Là, c'est juste que j'ai des items, on va dire, de polyvalence. Fais voir ma MS. Je la mets là, regarde. Regarde. Je suis tellement rapide. Oh l'enfoiré. Ça y est, t'es content, t'as ton bleu? C'est bon, t'es content, t'as eu le... Oh putain. Ils sont là, ils sont de retour. Oh, t'es silence, comment? Attends, il... Oh, il perd pas d'HP? What? What? Il perdait pas d'HP? Non mais j'ai un peu plus de Skarner les gars, c'est quoi ce coup? Mec, j'étais content, je me suis dit vas-y je vais activer le E, ça, ses PV ils vont fondre. Ah, rien qui a bougé mec. Ça se fait toujours cet item les gars contre de l'armure? Avec Garen? Je dirais que oui hein. C'est quoi ce fight? Je crois qu'il me bat non? Putain, mais il me bat, frère. Comment? Attends, mais pourquoi il me démonte? Ok, il est l'heure de la revanche. Après, c'est Nasus, quoi.
Je vais te montrer. Hyper vitesse. Voilà. Calme-toi. Votre équipe a détruit une tourelle. Ah là, mon R, c'est 450 de dégâts, plus 35% des PV manquants en dégâts bruts, ce qui est littéralement colossal. Ouais, et là, j'ai l'item qui est nécessaire pour choper les tanks. Le rappel mortel, qui va en plus de ça en heal. En full RP là. Regarde les dégâts, regarde les dégâts de Dieu. Je suis à 5300 de dégâts en jungle. Est-ce que ça vous va? Où est le Twitch? Je sais pas si le Nashor je peux le faire solo, ça m'étonnerait, non? En vrai. Juste au niveau de la régène, c'est un peu dur. Mais ça se fait, hein. Ça se fait, hein. Pif. Vous me dites tous si eux, what the fuck. Vraiment. En fait, Percepteur, ça peut encore plus finir Le build n'a aucun sens. Ça va, y'a que le dernier item qui part un peu en bib. Allez, c'est mon moment, les gars. Le Twitch, il va apparaître. My bad, eh. Par contre lui je sais pas si je bats. Attends la Yumi. Le passif, régène-moi. Belle game de Garen. Voilà, bon maintenant donnez-moi un motif de pourquoi vous jouez pas Garen jungle quoi. Et voilà. Bon après ça fait plusieurs games que je fais sur Garen parce que j'aime trop le champion. Regardez, 39 000 de points de dégâts. Et la tankiness. Et voici les runes que j'ai utilisées. Lâche un like, dis-moi ce que tu penses de Garen jungle dans les commentaires et donne-moi aussi dans les commentaires ton champion un peu atypique que t'as l'habitude de jouer. Rendez-vous demain 16h pour une nouvelle vidéo. Ciao.